Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce soir pour célébrer la fête du Saint-Sacrement, la fête de la présence du Christ dans l'Eucharistie, la fête de la distribution du pain du ciel, le pain de la vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison,
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre quatre rois, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du dixième de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur.
de Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchizedek. Tu es prêtre à jamais, Christ et De la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Oh.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus, qui mange de ce pain vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et dans les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit : Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent : Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. Il y avait bien 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples : Faites-les asseoir par groupe de 50. Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les 12 morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette foule rassemblée dans le désert où elle entendait Jésus annoncer le royaume évoque évidemment dans l'évangile de Luc l'humanité affamée et égarée dans un endroit ou dans des lieux où rien ne peut satisfaire ses besoins. Et en tout cas, rien ne peut être proposé pour la nourrir. Ces déserts de l'humanité, qui sont des déserts de la faim, dont nous avons si souvent entendu parler, mais qui continuent d'exercer leur ravage, qui sont les déserts de la maladie, des pandémies,
qui sont les déserts du désespoir, de la perte de confiance, qui sont les déserts de la violence, de la haine répandue dans le cœur des hommes. Cette multitude d'hommes et de femmes qui peuplent ces déserts d'aujourd'hui, pour lesquels nous pouvons, nous aussi, comme les disciples, nous tourner vers le Seigneur, pourquoi lui dire, que lui ont dit les disciples, renvoie cette foule pour qu'elle aille dans les villages et les fermes pour trouver de quoi manger. Il n'avait pas de solution pour la nourrir, il n'avait pas de solution pour la guérir, il n'avait pas de solution pour apaiser ses souffrances, il n'avait pas d'autre solution que de les renvoyer ailleurs, vers d'autres solutions. Et vous avez entendu la réponse du Christ, donnez-leur vous-même à manger. La mission que Jésus confie à ses disciples à cet instant est une mission capitale. Elle leur dit, ne vous débarrassez pas des problèmes des hommes, acceptez-les et résolvez-les. Ne croyez pas qu'ils trouveront ailleurs les solutions que vous n'avez pas. Ne les envoyez pas vers l'inconnu pour qu'ils trouvent à manger ou qu'ils trouvent à se soigner ou qu'ils trouvent à se guérir ou qu'ils trouvent à s'apaiser ou qu'ils trouvent simplement la paix. Donnez-leur vous-même à manger. Et cette mission, il nous la confie à nous aujourd'hui comme son Église. Il nous envoie, nous aussi, non pas pour nous débarrasser des difficultés auxquelles les hommes sont confrontés, en les envoyant à des spécialistes qui pourront résoudre leurs questions, mais pour que nous acceptions au minimum, si nous n'avons pas de solution, que nous acceptions au minimum de partager leurs souffrances, d'accepter de porter avec eux la difficulté de leur vie. Mais évidemment, nous voyons, nous constatons très vite, et c'est sans doute ce qui alimente en nous le sentiment de notre impuissance. Nous constatons très vite l'écart considérable qui existe entre les besoins des hommes et les moyens dont nous disposons, comme les disciples, avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons, n'ont pas beaucoup de chance de nourrir une foule de 5 000 hommes. Évidemment, cette disproportion quantitative de 5 000 à 5 nous aide à comprendre ce que nous-mêmes nous éprouvons quand nous sommes confrontés aux difficultés de l'humanité. Nous voudrions peut-être venir en aide à nos contemporains, mais qu'est-ce que nous avons pour le faire? De quelle force disposons-nous? De quelle solution avons-nous la possibilité de mettre en œuvre? Ne sommes-nous pas, comme tout le monde, démunis devant tant de besoins et tant de pauvreté? Et le récit de l'évangile de Saint-Luc nous fait découvrir que la véritable force des disciples ne réside pas dans les quelques pains ou les quelques poissons qu'ils peuvent rassembler, mais dans la puissance du Christ qui va partir de ces 5 pains et de ces 2 poissons pour produire une nourriture suffisante
pour la foule qui l'entoure est même plus que suffisante. C'est pourquoi, en ce jour de la fête du Saint-Sacrement, la méditation de cette multiplication des pains nous invite à une démarche de foi. Démarche de foi pour reconnaître que le Sauveur du monde, le Sauveur des hommes, celui qui apporte vraiment le salut, celui qui a les solutions de la vie, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que Dieu passe à travers nos petits moyens pour changer le monde que nous sommes devenus les sauveurs du monde. Le sauveur du monde, c'est Dieu dans le Christ. Le sauveur, celui qui dispose non seulement de la nourriture, mais de la santé, de la paix, de l'équilibre, d'une vie harmonieuse pour tous, ce n'est pas nous, c'est lui. Et c'est notre premier acte de foi en cette fête du Saint-Sacrement, de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons pas changer le monde. Mais qu'avec lui, nous disposons d'une force capable non seulement de décupler, mais de centupler les moyens que nous avons pour faire quelque chose d'utile en ce monde. Démarche de foi, parce que celui que nous croyons comme le sauveur du monde s'est rendu présent à l'humanité en instituant par l'Eucharistie la possibilité de participer au don qu'il fait de sa vie pour la vie du monde. Quand il bénit le pain, quand il le partage à ses disciples, quand il bénit la coupe de vin et qu'il la leur donne à boire, il ouvre la veille de son procès et de son exécution. Il ouvre pour eux un chemin qui leur permet de participer vraiment à sa mort et à sa résurrection. Et ce chemin qu'il ouvre ne s'arrête pas avec le jour où Jésus inaugure cette Eucharistie. Il se prolonge. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc, comme saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Notre acte de foi, c'est que aujourd'hui, dans le pain qui nous est proposé comme nourriture, c'est le Christ lui-même qui se donne à manger. Dans l'offrande que nous essayons de faire de nos pauvres forces, de nos pauvres efforts, de nos pauvres tentatives de conversion, c'est le Christ lui-même qui reprend tout cela et qui le transforme en force pour la vie du monde. Démarche de foi, parce qu'elle nous fait découvrir que quand nous participons à l'Eucharistie, nous posons un acte qui nous engage à l'égard du monde entier. Quand nous recevons le pain consacré comme le corps du Christ ressuscité, nous recevons évidemment une force pour nous-mêmes, mais nous recevons surtout une force pour aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient dans les déserts d'aujourd'hui. Celui qui vient participer à l'Eucharistie ressort de cette Eucharistie
avec un renouveau de l'amour du Christ répandu en nous et une volonté renouvelée de porter la bonne nouvelle à ses frères et de se mettre au service de ses frères. Ainsi, en célébrant la fête du corps du Christ, la fête du Saint-Sacrement, nous posons ce triple acte de foi. C'est Dieu qui nous sauve. Il nous sauve aujourd'hui dans la personne du Christ ressuscité, présent réellement dans l'Eucharistie. Il fait de nous des témoins de ce salut pour l'espérance des hommes. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante et filio simul adoratum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste.
c'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, Dieu, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Éric et Renaud, Jérôme et Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Yeah.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, dans la semaine qui vient, mardi 4 juin à 20h, vous êtes invités à une visite de la cathédrale et à 21h un concert dans le cadre de la première édition du Festival biblique. Jeudi, vous êtes invités à venir adorer le Saint-Sacrement à la messe du soir, à la fin de la messe du soir. Et vendredi 7 juin, à 15h, premier vendredi du mois, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et le soir après la messe, comme tous les vendredis soirs, ostension de la même Sainte Couronne. Sur notre agenda, notons que le dimanche 16 juin, ce sera la fête de la dédicace de la cathédrale. Notre archevêque reviendra pour dire la messe du soir à 18h30, au cours de laquelle il donnera la croix de clerc à quatre nouveaux clercs. Et vous pouvez noter déjà aussi le dimanche 23 juin, ce sera la messe d'action de grâce à 11h30 pour le départ des pères Gérard Pelletier, Nathanaël Houssou et Raphaël Gansaoré. Vous savez que leurs évêques de Paris, d'Abomey, de Koudougou leur confient une nouvelle mission et nous avons donc la joie de pouvoir participer à cette action de grâce ici à Notre-Dame pour les 11 ans cumulés de ministère ici à Notre-Dame de ces trois prêtres à qui nous souhaiterons bon vent. En conséquence, et une fois n'est pas coutume, à l'issue de la messe, nous aurons le temps de l'amitié. Et donc, il n'y aura pas de messe à 12h45 ce jour-là. Les opéras d'image se continuent au mois de juin, les jeudis et les samedis à 21h15. Réjouis-toi, Marie. C'est en français, traduit en anglais, et l'entrée est libre. Enfin, un concert à Notre-Dame de Paris, le mardi 11 juin à 20h30. Le Requiem d'André Campras. Vous pouvez donc prendre des places à l'accueil, selon l'expression consacrée. Et nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur Jésus, fais que nous possédions la jouissance éternelle de ta divinité. Car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Salve Regina.